nothing else like her anywhere you go. A man, she's anything but calm. A regular pint-sized atom bomb. Atom bomb, baby, little atom bomb. I want her in my wigwam. She's just the way I want her to be. A million times hotter than TNT. Et coucou YouTube pour ce 23ème épisode du Stealth Project. On est reparti après la petite pause du stream. Donc on avait tourné en rond. On a pu augmenter, enfin améliorer notre armure légendaire qu'on a lootée en remettant dessus les modes d'ombrage et de discrétion qu'on avait trouvé. Et je sais toujours pas où, comment on va à Good Neighbor. Voilà. Donc pour ceux qui arrivent en cours de route sur le stream, je récapitule rapidement. On a fini de clean le lycée. Et on cherche comment on peut accéder à Good Neighbor. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Hein. Ici, on se rappelle, il y avait un ascenseur qui nous avait amené là-haut. Mais je vois pas l'intérêt d'y aller. Sauf si ça nous permet de traverser là-haut. Mais je vois pas pourquoi on devrait passer par là, en fait. Je sais plus du tout comment on va à Good Neighbor. C'est fabuleux. Alors que je l'ai fait dans ma première partie, quand même. Et salut, Canidé Furtif, qui pop derrière Paki. Bah, c'est marrant, ça. Bravo pour le double compte. Bon, on va peut-être reprendre cet ascenseur pour voir ce qu'il y a à voir là-haut. Et quand on y était allé, en fait, on s'est fait écraser par une voiture qui a bougé. Voilà. Mais en fait, c'est un ascenseur qui nous fait descendre. Donc c'est peut-être pas le même. Rez-de-chaussée. Non, c'est pas du tout celui-là qu'on avait pris. Non, celui-là, ça c'est là où on avait sauvegardé la fois d'avant. Où je voulais retourner là et en fait, je trouvais pas le chemin. C'est fou quand même. Attends, tu vas me dire. Bah, Jerry, j'attends que tu me dises. Que t'as passé 2 heures à chercher bon voisin. Bah, non, parce que la première heure, on l'a passé à finir de clean le lycée, les zones alentours et tout ça. Mais là, je me rappelle plus du tout comment à Good Neighbor. C'est très proche, puisque sur la carte, on a un marqueur qui nous dit que c'est très proche. On va tenter un truc, les bros. Parce que le marqueur de quête, il est dans Good Neighbor à l'entre de la mémoire. Je pense qu'on va se mettre un marqueur sur Good Neighbor. Mais ça va être au même endroit en fait. Je crains que ça nous mette le même endroit sur la carte. Enfin, si on fait ça, et si là on fait Good Neighbor, hop. Bah c'est exactement au même endroit. On va supprimer le marqueur et réactiver notre marqueur de quête. Mais ça n'a aucun sens en fait. Je sais que c'est derrière cette palissade. Mais derrière cette palissade, je pense que c'est déjà la ville. Il faut qu'on trouve l'entrée de cette ville. C'est ça la complexitude. Bah genre on peut pas passer, c'est génial. Ah, une explosion nucléaire quelque part, génial. Ah. On trouve de ces trucs. Donc là c'est d'où l'on vient. Cabo errant dominant. Ce aim de merde. Bon, ça nous fait une viande de chien. Mais en fait, on tourne de ouf en rond. Parce que là, c'est le cimetière où tout à l'heure on a pu. Voilà, et on est arrivé par là. En fait, le problème, c'est que même si on ne tourne pas en rond. Voilà, il y a des super mutants. Il faudrait qu'on arrive à longer de ce côté pour passer, j'imagine. Mais la tâche peut s'avérer quand même très risquée. On va juste mourir en fait.
Ouais, je le sens vraiment pas. Et ce que j'essaie de faire depuis tout à l'heure, c'est de faire le tour de l'autre côté. Va falloir que tu travailles les super mutants. Ouais non, je me sens pas prêt, frère. T'as vu à quelle portée ils me détectent? Et j'ai tellement pas de dégâts sur eux. Non mais je pense que... Enfin forcément, enfin, on peut faire le tour par l'autre côté. Mais comment? Donc il faut qu'on maintienne le cap vers la gauche. Tout le temps. Et rebloum bloum. Il faut qu'on maintienne le cap vers la gauche. Le problème c'est que là-bas aussi il y aura des super mutants. Ouais, c'est compliqué quand même. Et je crois que dans ma partie principale, j'avais même pris le perk qui permet d'avoir des repères en mode SVAV pour pouvoir trouver le chemin. Donc on n'était pas sur du beau jeu de l'infini. C'est moi ou ça lag un peu la play là? J'ai l'impression que la play lag pas mal. Parce que là on sait qu'on peut passer là-bas. Mais qu'est-ce que ça nous apporte? Parce que oui, on esquive les super mutants qu'il y a ici. Certes. Mais à quel prix et dans quel but? Surtout là on est bloqué, on le sait. Ouais. Vous allez voir, c'est verrouillé ici. Le verrou tient bon. Et surtout on est sur un centre commercial, donc ça n'a aucun sens. Et donc ce qu'on avait fait tout à l'heure quand on était là, c'est qu'on était... Là-bas il n'y avait rien, donc on était descendu. Ouais, on tourne en rond depuis tout à l'heure en fait. C'est ça je crois qui nous avait amené sur le toit. Là où on s'était pris une voiture dans la gueule. Donc on va retenter ça hein. Ah ouais, je suis totalement perdu. Essaye d'utiliser la map locale. Ça marche que dans les lieux, ça. Bon, regardez, hein, mais... Good Neighbor, il nous le fout tout là. Enfin, Docteur Amari, en tout cas. Donc, c'est quand même compliqué. Ah, la map locale, j'arrive... Enfin, moi, c'est vraiment pas un truc qui me parle. Donc, tout à l'heure, on se fait écraser par une bagnole, ici. Mais il y a cette passerelle, là, qui nous permettrait de passer. Encore faut-il descendre au niveau de cette passerelle. Putain, je vois même pas comment descendre là. C'est moi ou les ascenseurs vont pas au même étage? Parce que tout à l'heure on n'est pas arrivé là. Ouais, les ascenseurs vont pas au même étage, donc faut qu'on prenne l'autre. Oh ce bordel. Parking, deuxième niveau. Donc on prend celui-là cette fois. Parce qu'il me semble qu'on n'est pas arrivé au même endroit tout à l'heure. Montez. Troisième étage. Mais vous voyez, on n'est pas au même endroit. Donc là, soit on peut monter, soit on peut essayer de traverser. Et on va essayer de traverser, je pense. Donc là il y a le marqueur de quête qui est là parce que ça doit être un moyen de redescendre. Mais c'est pas du tout un signe que la quête se déroule vers là-bas. Voilà, c'est la banque en fait. Et la banque, on y est déjà allé par le bas ou par un ascenseur tout à l'heure, je sais plus. Oh ce bordel, bah oui on est déjà allé là tout à l'heure. On est totalement déjà allé. Donc non, ça n'a aucun intérêt. Donc on redescend. Je suis désolé parce que c'est... J'imagine à quel point c'est pas intéressant et voilà. Mais au moins vous avez l'occasion de vous foutre de ma gueule, donc c'est pas mal. On va bien finir par trouver quand même. Quand tu vois ça, tu te dis que l'ascenseur est pas en forme.
Et là on est... Je sais même pas où est-ce qu'on est. Ah si, ok, là où il y avait la tourelle tout à l'heure ici, d'accord. Donc on tourne fondamentalement en putain de rond. Là-bas c'est là où il y a les artilleurs. Putain mais où est-ce que je suis? Il n'y a plus personne qui tient à jour le compteur de mort, je crois. À moins que ce soit par là les artilleurs. Putain. Oula. Bah, c'est plutôt par là les artilleurs, ouais. Mais je vais jamais trouver l'accès moi. Parce que là ça va être encore des super mutants. Là, il y a l'air d'avoir beaucoup de cadavres de robots. Et beaucoup de bugs aussi. Et oui, ce lieu n'est pas répertorié. Mais ce lieu est fondamental pour ceux qui jouent en armure assistée. Mais c'est pas un lieu de la map, effectivement. Ce n'est pas une découverte d'endroit. Mais voilà, sachez que si vous jouez en armure assistée, venir ici est fondamental pour vous. Là c'est Trinity Tower en face, non? Ah non, c'est Jamaica Plains. Non, bah non, c'est une pub pour Jamaica Plains. C'est pas du tout ici, Jamaica Plains. Maintenant qu'on a Ninja rang 2 ou 3, là ça colle hein. Oh, il y a des fins en jeu. Manquez plus que, hein. Il manquait plus que. Il va se faire bouffer par un fin en jeu, lui. Ça te touche comme ça et c'est nickel. Où il est passé ce connard? Et salut Filati, salut à toi. Mais ça ne nous avance que peu finalement là. Parce que là-bas il y a toujours des fonds en jeu. Ouais. Là ça ressemble à un camp d'artilleur. C'est peut-être pour ça que le fond de jeu est amoché d'ailleurs. Oh, des canettes pour le silencieux. Et par contre du coup je porte trop de choses. Je balance 1 kilo et je suis fatigué donc
Nuka-Cola, here I come. Hop. Du coup, si on retrouve un atelier, c'est cool parce qu'on peut faire notre silencieux sur une arme. Je sais pas laquelle, mais on en fera une. On a découvert Postal Square. Il y a des cadavres d'un petit peu tout. C'est pour ça qu'en fait, les art... Ok, les artilleurs et les... Et les super mutants sont foutus sur la gueule. Ah ouais, mais c'est trop long de jeter ça à chaque fois, putain. Alors, faut vraiment plus qu'on comprenne rien. Il faut que j'arrête de ramasser du 10 mm. Hein. Sandwich Joe Spookies. Détecté, mais par qui, par quoi, comment? Ça me dit un truc cet endroit. Hein. Ça serait pas par là-bas. Cet endroit me dit vraiment un truc. J'espère ne pas me planter. S'il faut, je tourne encore en rond. Ça, ça ressemble à un camp de super mutants. Bah non, non, je tourne en rond encore. Mais comment on va dans cette ville de merde déjà? Bah non, là c'est là où on était tout à l'heure avec les ratops et tout. Ta map, mais putain, le mec est chiant. Je suis là et Good Neighbor, c'est là. Ok, parler au docteur Amari. Le truc, c'est que ça, t'as une palissade en fait tout le tour. C'est ce que je veux dire, Jerry. Et je sais plus du tout par où on entre. Et là, excuse-moi, la map, à quel moment c'est parlant, tu vois ce que je veux dire? Ça n'a aucun sens. Non, mais on va partir de l'autre côté. Le problème, c'est que de l'autre côté, il y a des super mutants. De ce côté-là. Déjà, je peux même pas passer. Et si on passe par là, où on peut passer, il y a des super mutants vers là-bas. Mais je pense qu'à un moment donné, je vais pas avoir d'autre choix que d'essayer d'aller leur péter la gueule. Hein. Faudrait que je sauvegarde avant. Mais je vois pas comment faire à part passer là en face quoi. Bien joué, microbe. Mais je crois qu'ils se battent déjà avec des gens. Je sais pas. Ça a l'air de se fight en fait. Mais là ouais, si je repars par là. Bon, on va aller sauvegarder. Pour être sûr, tu vois. Et après on avisera. Mais c'est ouf le tournage en rond qu'on produit là. Putain. Mais bordel de cul. Je suis bourré ou quoi? Et pourquoi ça me remet attention? Ah là là.
Bon, puis on va devoir tenter. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Et voilà, mais je sais même plus où c'est. Je suis monté par quel côté? Je suis monté par là-bas. On entend des coups de feu. Le truc c'est qu'il doit pas être tout seul en fait lui. Mais peut-être qu'ils sont pas très nombreux malgré tout. On va tenter, de toute façon on vient de sauvegarder. Énorme 46% de chance quand même. C'est quoi ça? Après on la one shot et ça c'est cool. Je sais que t'es là. Arrête de te cacher. Le mec a donné son cul en s'asseyant. Ah ouais, totalement. Plus là, dommage. Est-ce que vous pensez que ça suffit à passer ou pas? Il y en a un là-haut. C'est quoi ce bruit? On va passer. On est furtifs les bros. Il y a quelqu'un. Oh putain, c'est pas vrai, les mecs sont partout. Putain, c'est Goodney Bourge. En fait, c'était là l'entrée. Il fallait passer devant ce putain de bâtiment. Donc ça y est, on a trouvé Goodney Bourge. Good neighbor. Je mettez pause sur la vidéo si vous voulez tout lire. Moi je connais le texte et lui voilà bon. Donc Gunaibourg est construit autour de l'ancien parlement de Boston. Voilà, donc démerdez-vous. Si vous voulez faire une visite touristique, vous cliquez là. Enfin vous mettez pause et puis vous regardez après. Théoriquement, en plus de ça, on a de quoi craft un silencieux. Et je pense qu'on va le craft sur notre arme à verrou de fortune légendaire avec des dégâts de radiation. Et je pense qu'un proc pistolero plus dégâts de radiation plus furtivité plus marchand de sable va faire très mal. Je pense. En tout cas, ça fait plaisir. Donc ouais, ça y est, on a trouvé Goodnaibourg. A priori, on est safe dans la ville, même si en arrivant, il se passe des choses. Il me semble. Pas si vite. C'est la première fois que vous venez à Goodnaibourg. Vous pouvez pas vous promener ici sans assurance. À moins que ce soit une assurance contre les connards, ça m'intéresse pas. Allez, faut pas dire des choses comme ça. Je pense que mon offre va vous plaire. Vous me filez tout ce que vous avez dans les poches, ou il va vous arriver des accidents regrettables, du genre qui font mal. Hola, hola, temps mort. La première fois qu'un nouveau passe nos portes, c'est un invité. On touche pas. Fous-lui la paix. Qu'est-ce que ça peut foutre? Il est pas des nôtres. Tu défies l'autorité du maire, Finn? J'ai dit, fous-lui la paix. Tu te ramollis, Hancock. Si tu commences à laisser des gens de l'extérieur nous marcher sur les pieds, je sens qu'on aura bientôt un nouveau maire. T'es pas sérieux, j'espère. C'est de moi qu'on parle, là. Approche, je vais te dire un truc. Le sens du dialogue de Goodnaibourg. Hein, tu me brises le cœur, et c'est pas bien, ça. Ça va, mon pote? Ah, ça va, nickel. Vous l'avez tué? Rien ne vous échappe à vous. Je sens que vous allez vous plaire ici. La devise de Goodnaibourg, c'est par le peuple, pour le peuple. Vous me suivez? Tout le monde est le bienvenu. Alors, à la frame d'avant, là, avant que la caméra revienne sur moi,
On a... Voilà, les plus observateurs ont pu reconnaître un PNJ qu'on n'a pas encore rencontré dans l'histoire, mais sachez qu'à ce moment-là, on le voit déjà. Et on le voit à plusieurs reprises dans le jeu, on l'avait déjà vu à Diamond City, mais ça n'avait pas sauté aux yeux, je l'ai vu en regardant les replays. Allez-y. Donc voilà. On a le temps de bien réfléchir. Et du coup, on va demander ce que c'est Good Neighbor. Good Neighbor, c'est le nom de cet endroit ? Tout juste. Ça a commencé comme un petit quartier, une espèce de cour des miracles qui rassemble tous les phénomènes de foire et les rebuts de la société. Vous allez voir, vous allez vous faire des amis et vous vous sentirez chez vous en moins de deux. Tant que vous n'oubliez pas qui est le patron, évidemment. Ouais, bah c'est nickel. Voilà, j'imagine que Ice il a suivi. Bonjour. Salut. Ah, tu es un nomade toi ? C'est bizarre. Salut. Tout va bien ? Ouais, ça va. genre, c'est un PNJ normal. Genre, il me calcule pas. FDP, va. Ben. Salut. J'ai tout ce qu'il faut pour blesser, mutiler ou tuer. C'est vous qui voyez. Moi, en général, c'est vite vu. Je tire pour tuer. Allez, on va voyons ce que vous avez. Chaque arme a été soigneusement testée sur quelqu'un qui le méritait vraiment. Chut, tais-toi, Jerry. Donc, il y a un lance-missile légendaire. Si, si, c'est lui, Jerry. Bah, ça saute aux yeux quand même. Bon, y'a rien de fou. Enfin, quoi qu'attends, j'ai pas vraiment regardé les. Mais de toute façon, on peut craft des silencieux, donc on a pas besoin de ça en vrai. Alors, pour ceux qui jouent des trucs d'armure de combat et tout ça, le stuff du démolisseur c'est vraiment génial, mais bah, c'est pas mon cas ici. Mais ça a été un de mes premiers stuff légendaires dans ma partie principale. Mais là, y'a pas grand chose pour nous. Non, carrément pas. Donc on arrête de faire du commerce avec cet individu. Quand tu le sais, c'est cramé. Et bah oui, non mais voilà, Jerry. Donc du coup, on va fabriquer notre silencieux sur notre arme légendaire. Je peux toujours pas ? Vas-y, mais... J'ai ramassé des canettes, elles étaient pas en aluminium, c'était des boîtes de conserve en fait que j'ai ramassé. Putain, c'était des boîtes de conserve. J'ai une arme pour chaque situation. Chasse, protection, meurtre de sang-froid, crime passionnel. Bah je vais lui vendre mes boîtes de conserve. On va vous trouver ce qu'il vous faut, Terreur. Ah, ça fait chier ça. On va vérifier que tout le reste on en a besoin. Ressort par exemple on en a pas besoin. Ouais mais ressort c'est toujours utile en vrai. On aura besoin pour d'autres choses. Ouais bah voilà c'est tout. T'as, après on commence à avoir pas mal de capsules là. Mais du coup on ne peut pas. Je connais pas la confrérie de l'acier personnellement, mais je crois pas une seule seconde à leur connerie de... La confrérie de l'acier a intérêt de pas s'approcher de Good Neighbor. D'accord. Une combinaison d'abri, hein ? La classe. Merci. Bon. Oh, un nouveau visage. Et qui arrive sans hurler en plus, ça change. Prévenez-moi si vous voyez quelque chose qui vous intéresse. Les gens vous crient dessus ? Ouais. Disons qu'une partie des gens qui débarquent ici ont jamais vu une goule de leur vie. Ça fait un choc, apparemment. Alors, il vous faut quelque chose... Qu'elle est pas super belle, hein. Oh, on peut avoir une quête. Il se trouve que oui, tiens. Des super mutants ont envahi la vieille bibliothèque publique de Boston. J'ai une tonne de souvenirs agréables de cet endroit quand j'étais encore une petite fille. Et encore humaine. Je vous donne 200 capsules si vous me débarrassez de cette bande de brutes verdâtres. Je trouve ça un peu léger. On parle quand même d'un bâtiment entier. Ça fait 2 siècles que je passe mon temps à marchander. Alors laissez-moi vous dire que vous avez poussé le bouchon trop loin. C'est 200 capsules, point, à prendre ou à laisser. Oh mais ça fait une quête. Marché conclu, Daisy. Merci. Et tiens, puisque vous y êtes, est-ce que vous pourriez rendre ce livre pour moi ? Je l'avais pris à la bibliothèque et je crois que je suis très légèrement en retard. MDR. Bon, on va peut-être pas la faire maintenant, cette quête, en vrai.
et on va troquer pour voir si elle si est très intéressante. Si vous voulez déposer quelque chose en gage, vous fatiguez pas à me dire que c'est une antiquité. Je suis sûrement plus vieille que tout ce que vous avez à vendre. D'accord, voyons ça. Cash ou troc, c'est vous qui voyez. Alors, au niveau des armes. Elle n'a rien de fou. Mais elle a quand même une arme incendiaire. Ah mais non, mais c'est un truc à cellule, ok. Encore du destructeur. On a quoi, nous? En brassard gauche. Brassard gauche en cuir avec des poches. Et là, il y a fermeté et ombrage. Mais c'est en métal, merde. Ah merde, 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 merde. Donc ça ne va pas. Ça ne va pas. Casquette de capitaine, c'est de l'endurance. Ouais, on n'a pas besoin du béret. On est déjà capé. Je pense en perception, on n'a pas besoin de plus. Eh bien, écoutez. Je pense pas qu'on va aller plus loin que ça au niveau commerce. Attends. Revoyons les choses en détail. Là, il y a deux aluminiums. J'ai pas acheté de l'aluminium alors qu'il y en a dans plein de trucs. Eh, c'est pas pile ce qui nous manque ça? Je crois hein. On va voir. Salut. Faut rester libre, man. C'est le nomade, non. Le plateau coûte rien en plus, bah oui. Allez. Et voilà. Étouffe le bruit des tirs, recul très faible, coup par coup, contrôle du recul amélioré, portée faible. Certes, mais 54 de dégâts de pistolet, 50 de dégâts de radiation. Plus les dégâts silencieux qui vont proc dessus. Je pense qu'on a notre nouvelle bonne arme là. Et ça, ça fait plaisir. Mais du coup, on n'a pas du tout le reste. Hein. Culasse puissante. Ah, je pourrais le faire aussi. Oh, oh les dégâts. Dégâts des tirs critiques accrus, meilleur. Ça, on s'en fout de toute façon. Ouais, on est presque à un niveau de calibre 50 avec ça. Hein. On prend ça direct. Ça, ça augmente la portée. Mais le poids aussi. Non mais ça c'est bien, ça me va. 98 de portée, je pense que c'est suffisant. Enfin je sais pas. Pourquoi sur cette âme de merde, il y a des dégâts de radiation, Ice. Va aller trouver les balles de 50. Oui mais de toute façon je vais pas passer en calibre 50. Bon ça on laisse comme ça. Et ça, on n'a pas de matériau nucléaire, c'est dommage. Et là, il nous faut de l'aluminium aussi pour un éventuel viseur laser. Bon, bah écoutez. Hein. Mais Ice, il est bizarre en vrai. Parce que depuis le début, on a dit que ça, on l'utiliserait. T'as vu les dégâts? On le met là. Et notre ancien silencieux au cas où, on va le mettre là-haut. Si jamais on est sur, contre des ghouls, parce que les ghouls en fait le problème c'est que les radiations ça va les soigner. Mais là, là on est bien, voilà. Bon, on va aller sauvegarder en trouvant une auberge ou un hôtel. Là. En fait je savais qu'il était là, donc voilà. Et ensuite on ira... Bonjour. Vous venez d'arriver à Good Neighbor. À l'entre de la mémoire. Alors, vous en pensez quoi? Pourquoi cette question? C'est juste de vous cerner vite fait. Disons que niveau sécurité, c'est pas le paradis ici. Alors j'aime bien savoir qui risque de nous créer des problèmes ou non. Je m'appelle Rufus.
C'est moi qui répare tout ce qui tombe en panne ici. Je retape des robots, je vends des pièces, ce genre de trucs. Je passe mon temps à réparer des trucs à l'hôtel Rexford, ou à me saouler au troisième rail. Vous cherchez des pièces détachées? J'aurais peut-être une petite mission pour vous, si ça vous intéresse. Je ne suis pas contre, mais ça dépend de quoi il s'agit. Je sais pas si vous avez déjà goûté la bière qui sert au troisième rail, mais je suis sûr que Charlie la coupe aux résidus de fausses sceptiques. J'ai trouvé cette holobande en retapant des trucs au Rexford. C'est le bon de livraison d'une machine à bière, je crois. Le problème, c'est qu'elle a jamais été livrée, à cause des bombes et tout ça. J'ai mené ma petite enquête et je pense qu'elle est peut-être encore intacte. C'est là que vous entrez en piste. C'est ma quête buggée de ma partie principale. Où est le piège? Non mais Aïe, je te rejoins sur les armes à verrou. Mais c'est pour ça que je garde l'autre pistolet aussi et qu'on équipera le 10 mm d'un silencieux quand on pourra. Les machines à bière sont plutôt encombrantes d'habitude, non? Oui, mais celle-là a été miniaturisée apparemment. Alors ça devrait pas être un problème. Alors, mon petit boulot vous intéresse? D'accord, j'accepte. Super. Alors, la machine est dans le sous-sol d'un vieux bar, le Shamrock. En sortant de la ville, allez à l'est jusqu'à Atlantic Avenue. Le bar a une grande enseigne verte. Vous pouvez pas le louper. Et voilà, la quête que je ne peux pas achever sur ma partie principale, donc je reproduirai pas les mêmes conneries. Ah, j'ai un petit creux. J'ai encore faim. Et on va à l'hôtel. Le mec a tellement skip le long sur. Bah, quand il y a une cinématique, il vous spammait de la merde dans le chat. Oh, ça va aller, bro, tu sais. Fred, tu vas encore passer ta journée dans le hall à te tourner les pouces ou tu vas descendre pour bosser? Mais je bosse. Il n'y a pas que la fabrication qui compte, Claire. C'est important d'accueillir les clients aussi. Ouais, ouais. Et c'est important de goûter la marchandise aussi. Si tu consommais un peu moins, tu pourrais te concentrer un peu plus sur ton boulot. Tu rigoles? À quoi ça sert de fabriquer de la dope si on peut même pas en prendre un peu? Certes. Trop bien! Une nouvelle tête! J'ai du jet, c'est du bon. Fais maison et tout. À prix sympa. Non, merci. Ah merde, okay, c'est du cool. Travail! La prochaine fois, peut-être. Du travail. Il y a une quête. Hé, hey, Fred. Ah, voilà une tête que j'aime bien. J'ai de la cam de premier choix. Il a une gueule, ce mec. Vous avez une tâche à me confier? Peut-être bien, ouais. Je crois que vous ferez l'affaire. Vous connaissez les artilleurs, non? Les mercenaires, super équipés. Eh ben, j'en ai entendu quelques-uns qui parlaient d'aller faire une razzia dans le vieux bâtiment d'Hallucigène. Je veux dire, rien que le nom, quoi. Il doit y avoir de la dope de classe intergalactique. J'avoue, j'ai ni monosacre. C'est sûr. Si vous me ramenez quelque chose d'intéressant, je vous donne 200 capsules. On teste, hein. Votre offre est un peu trop basse, Fred. Calmos, je connais la chanson. Le tarif, c'est 200 capsules. Pas la peine de marchander. Bon, mais du coup, c'est d'accord. Ok, Fred. Marché conclu. Vous êtes le top du top. Eh oui. Du top. Merci. Bon, Ah oui, c'est vrai que voilà, ça, c'est le bar. Ok. Bon, on va prendre une chambre déjà. Attends, on va parler à ça. Je fais le ménage, moi, c'est tout. D'accord. On va prendre une chambre. Je vais aller droit au but. On a des chambres. Enfin, une seule, pour être précise. Payable d'avance. Oui, c'est parti. Allez, hop. Attends, l'hôtel Rexford. Vous pouvez m'en dire un peu plus sur cet hôtel? Pourquoi il faut toujours qu'il pose des questions? Le Rexford était jadis un hôtel de première classe, un vrai 5 étoiles. On avait même des clients qui ne vomissaient pas partout sur la moquette. Mais aujourd'hui, les gens viennent ici soit pour cuver, soit pour shooter. Vous voulez quand même une chambre? Oui, bah oui. Du coup... Je la prends. La chambre est au dernier étage. C'est la dernière porte à droite dans le couloir. Et attends, qui est le propriétaire? Votre chambre est au dernier étage. Voilà. Dernière porte à droite au bout du couloir. Elle est tellement vénère, en vrai. Dernière porte à droite au bout du couloir. Voilà, c'est ma chambre. Putain, on va pouvoir dormir les bros. On va pouvoir sauvegarder à bon voisin. Donc c'est 8 heures, hein, une nuit de sommeil réparatrice.
1-0 pour le Real, bon mais c'est nice ça. Merci Monosocle de me faire le commentateur sportif. On a un peu soif évidemment. Comme à chaque réveil j'ai l'impression. Et voilà. Bon, on a pu sauvegarder, on a pu bien se reposer. Quoi? Non, c'est... Mais c'est vous! Vous êtes de Sanctuary Hills, c'est ça? Est-ce que vous vous rappelez au tout début du jeu, le mec qui est venu frapper à notre porte? Il a changé. Attendez, vous travaillez pour Voltec? Je suis Voltec. 20 ans de bons et loyaux services. Et regardez-moi un peu, j'étais pas sur la liste. Mais vous, waouh, 200 ans et vous êtes toujours au top. Comment c'est possible? On va lui expliquer, on n'est pas un bâtard. Il y avait des capsules cryogéniques dans l'abri. Je sors à peine d'un long sommeil artificiel. Quoi? Voltec nous avait jamais parlé de ça. Incroyable. Ben moi, j'ai dû apprendre à vivre dans le nouveau monde à la dure. Au milieu des immondices, de la pourriture, des bains de sang. Regardez-moi. Je suis une goule. Un monstre. Sa chemise est bien blanche pour un mec qui a 200 ans. Ne le prenez pas mal, mais vous n'étiez pas beaucoup mieux avant les bombes. Vous savez, vous êtes la seule personne d'avant que j'ai rencontrée. Je... Oh bon Dieu, je me suis senti tellement seul ici. Qui voudrait d'une vieille goule qui est bonne qu'à vendre des places dans des abris Voltec? Eh, hey, vous pourriez peut-être retourner à Sanctuary. Je viendrai vous rendre visite, promis. Vraiment? Oh, nice. Vous le ferez? Ok. Sachez que c'est un vendeur de niveau 4, ce bonhomme, quand vous jouez un but de charisme. Vous viendrez me voir, hein? Bah voilà, c'est un vendeur de niveau 4. Et donc il part à Sanctuary. Il va maintenant faire partie de notre seule colonie. Et voilà. On va quand même faire le tour des chambres histoire de vérifier qu'il n'y a rien à voler. Stan Slavin. Salut. J'aurais dû le tuer. Alors Zeri, j'explique après. D'abord on lui parle. Vous devriez pas rester là. T'es sûr? Ah bon. Le système des niveaux de vendeurs. En gros, quand vous jouez charisme, vous avez un perk qui s'appelle chef local. Regardez, on va le faire avec le système de perk, sera plus simple. Donc quand vous jouez charisme, vous avez un perk qui s'appelle chef local, qui est ici. Au niveau 1 permet d'établir des voies de ravitaillement entre vos colonies, c'est-à-dire que tout bêtement, en fait, quand vous découvrez des colonies, vous pouvez affecter un colon à effectuer le ravitaillement entre cette colonie et une autre, et ainsi relier toutes vos colonies entre elles. L'avantage, c'est que du coup, elles partagent les ressources de l'atelier. Alors, les ressources physiquement dans l'atelier restent là où elles sont, mais si vous avez besoin de construire ailleurs quelque chose et que les ressources, vous les avez dans une autre colonie, vous n'avez pas besoin d'aller les chercher, ça considérera que vous les avez déjà. Et au niveau 2, chef local, ça permet de construire des magasins et des postes de travail. Donc dans les magasins, il y a un magasin généraliste, infirmerie, droguerie, en gros, alimentation, bar, marchand d'armes, marchand d'armure et marchand de vêtements. Et en gros, les magasins ont 3 niveaux. En fonction des niveaux, ils vont rapporter plus ou moins de capsules par jour. Donc niveau 1, 2 et 3. Et si vous mettez travaillant dans un magasin certains PNJ, comme c'est le cas pour le vendeur Voltec, si le vendeur Voltec vous le mettez dans un magasin généraliste de niveau 3, artificiellement le magasin va devenir un magasin de niveau 4, rapportera un petit peu plus de capsules et proposera des objets inédits, rares, voire même du stuff légendaire. Voilà comment ça marche le niveau des magasins. Donc j'espère vous avoir expliqué et informé là-dessus. Vous trouvez assez facilement sur les différents wikis Fallout la liste des PNJ qui peuvent être des vendeurs de niveau 3 et donc de niveau 4 pardon, et dans quel type de boutique il faut les mettre pour qu'ils soient des vendeurs de niveau 4. Et voilà.
voilà un petit peu comment ça fonctionne. Donc c'est vraiment ça se base surtout sur les bulles de charisme, sachant que là j'ai eu de la chance parce que j'ai très peu de charisme mais j'ai réussi à le convaincre. Mais globalement lui c'est parce que c'est le premier qu'on rencontre, sachant qu'on vient généralement là quand on arrive à Goodnightbourg, et il est plutôt facile à convaincre. Mais la plupart des PNJ comme ça qu'on peut recruter sont plus difficiles que ça à convaincre si on n'a pas un investissement en charisme. Et du coup c'est vraiment pour un build charisme, surtout que bah, c'est rentable, surtout en charisme au niveau des capsules que ça donne et tout ça. Donc voilà, voilà mes petits Vivoxel. Rien de spécial, rien à boire, rien à loot. Ah peut-être ici. Non, on va se faire taper sur les doigts si on se fait choper. Salut. Alors, bon, cette machine à bière, vous l'avez trouvée? Ou alors on va aller merde. On va aller à l'antre de la mémoire en fait, parce que c'est un petit peu ce qu'on attend depuis le début. Mais avant, mais d'ailleurs, on va cuisiner. Vous avez déjà été chez Killer Bikild? Ils ont des armes de malade. D'accord. Oui. Vous savez pas où dormir? Essayez l'hôtel Rexford. OK. Faut les avoir bien accrochés pour débarquer ici. Ah, on peut pas dormir ici, très bien. On va essayer de manger. Ouais. Enfin, de faire à manger. Après, on fera un cut et on attaquera la dernière partie du stream, je pense. Attendez, mais c'est dingue. Il est passé super vite le stream de ce soir en vrai. C'est le troisième épisode qu'on est en train de tourner là, on est d'accord. Et il est 20... Ah mais non, on a encore de la marge en fait. On va commencer l'antre de la mémoire maintenant. En fait, on a repris le stream à 20. Je me disais, ça passe trop trop vite, c'est quoi ce délire? En fait, ça va. Non, 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 on va pas faire de pause maintenant. On va aller à l'antre de la mémoire. Mais ouais non, ça passe vite malgré tout. Passé à oublier. Bienvenue au club. Au cas où vous vous posiez la question, on capte très bien à Radio Diamond City ici à Goodnight. Au cas où vous vous posiez la question, on capte très bien. Pourquoi ça veut C'est vachement amélioré. Ok, très bien. Y a pas une quête là, annexe, enfin qui est même pas une quête en fait. Circulez, y a rien à voir. Barrez-vous. Pardon. Allez, du large. Est-ce que je... Ouais, j'ai sauvegardé il y a pas longtemps. Je pense que je vais essayer de me les faire. Casse-toi, connard. Ah ouais? Vraiment, hein? Qu'est-ce que... Ah merde. Putain mais... Ouais mais c'est de la merde. Le mode SVAV c'était le pire bail en vrai là-dessus. J'aurais dû leur tirer dessus à la main en vrai. Ils m'ont dégommé. On va essayer de se les refaire. On va essayer de se les refaire. Parce qu'ils m'ont énervé. Ah mais du coup faut qu'on se retape tout le connard là, le Voltec, putain j'avais oublié ça. Bon pour l'instant j'ai pas l'habitude des armes à verrou aussi hein. On a soif, on n'oublie pas. Quoi? Non, c'est... Mais c'est vous? Vous êtes de Sanctuary Hills, c'est ça? Attendez. Bon allez, on va lui refaire les mêmes réponses. Je suis Voltec. Bien. Mais vous... Hop. Stas Chirogénie, avait... on avait dit... Quoi? Bon, je passe les dialogues, hein, vu qu'on les a fait juste avant. Ne le prenez pas mal, mais... Vous savez... Non. Ok. Allez, hop. Hey, vous pourriez peut-être retourner à Sanctuary. Je viendrai vous rendre visite, promis. Vraiment? Voilà. Bon, ça, c'est scripté du coup, hein. Je pense que peu importe le niveau de charisme, ça marche. Du coup, on va redormir juste une heure histoire de pouvoir. Enfin, ne pas avoir à refaire ça. Si. Comment dire? Si jamais on remeurt.
Alors Vivi, je sais, hein, mais de toute façon on a une quête à y faire et je sais qu'on en débloque d'autres, donc y a pas de soucis là-dessus. Mais prenons le temps d'explorer et de découvrir. Je fais le ménage, moi, c'est tout. Ça fait plaisir de vous revoir. Alors. Bon, on va essayer de se les faire, les autres connards. Hein. Vous voulez que je rename enfin ton lance tumeur? Putain, c'est ça que vous me demandez depuis tout à l'heure. Sympa, le pibre. J'avais pas tilté, moi. Vous avez un passé à oublier? Bienvenue au club. Du coup, on le renommera peut-être en lance tumeur, si ça peut vous faire plaisir. Enfin, il capte. Bah, si au lieu de spammer comme des retards, vous l'aviez dit clairement. On doit se serrer les coudes. Le meilleur moyen de rester soudés, c'est de repérer tout ce qui peut nous éloigner les uns des autres. Vous croyez pas? Ouais, vas-y, Hancock, on t'écoute. Et qu'est-ce qui peut nous éloigner les uns des autres dans ce grand et beau Commonwealth? Qui est le grand méchant loup qui veut la peau de notre communauté? L'Institut et les synthétiques! Exactement! Qui a dit ça? Vous passerez dans mon bureau tout à l'heure, je vous filerai du jet gratos. C'est l'Institut. C'est lui l'ennemi. Pas les pillards, pas les super mutants, et même pas ces empaffés de Diamond City. T'es sûr, Hancock? J'aurais bien botté les fesses de cet enfoiré de McDonough. Hey, je suis le premier à avoir une dent contre ce porc. Mais c'est pas de ça que je parle. Je veux que tout le monde se méfie de l'Institut. Quand quelqu'un commence à agir bizarrement, quand des gens commencent à faire des trucs qu'ils font pas normalement, quand quelqu'un de votre famille arrête de vous parler sans raison valable, on sait tous qui se cache derrière ce genre de conneries. Et le seul moyen d'empêcher ça, c'est de se serrer les coudes. Ils peuvent rien contre nous si on n'a pas peur d'eux. Alors, qui a peur de l'Institut? Pas nous! Et dans quelle ville l'Institut a pas intérêt à mettre les pieds? Good Neighbor! Et c'est qui le patron à Good Neighbor? Hancock! Pour le peuple! Au cas où vous vous posiez la question... Vous êtes trois, les bros. On capte très bien à Radio Diamond City, ici à Good Neighbor. Ce Travis, là, il s'est vachement amélioré. Au troisième rail, il n'y aurait pas des quêtes à prendre aussi? J'avais vu des trucs pas nets dans ma vie. On va aller voir, c'est en bar, le troisième rail. Je suis tellement mal assis sur mon canapé que j'en ai mal au cul. Hancock dit que tout le monde est le bienvenu au troisième rail. Alors entrez. Ne volons rien. Quoi? Vous cherchez MacReady, vous aussi? Il est derrière. Ouais, j'adore cette chanson. Ouais. Eh, on a de la bière. Et si vous voulez pas de bière, vous avez rien à faire ici. Oh, c'est génial. Excusez-moi. J'ai pas assez de cam ou d'alcool dans le sang pour ça. Vous savez pas où dormir? Essayez l'hôtel Rexford. Bon, allez, on va aller voir MacReady. Avec un nouveau phénomène de foire. Trimballer une tonne de matos, on dirait. Vous devriez vendre quelques trucs à Daisy avant que quelqu'un vous pique le butin. Je peux pas dire que ça me surprenne de te voir dans un trou à rat pareil, MacReady. Je me demandais combien de temps il faudrait à tes chiens pour me retrouver, Winlock. Ça fait presque 3 mois. Me dis pas que t'es rouillé, si on allait régler ça dehors. Pas la peine. Je viens juste apporter un message. Au cas où t'aurais oublié, j'ai définitivement quitté les artilleurs. Ouais, il paraît. Mais tu continues à bosser dans le Commonwealth. Et ça, ça nous plaît pas trop. J'ai pas d'ordre à recevoir de toi. Plus maintenant. Alors, je te conseille de prendre ta copine et de mettre les voiles tant que t'es toujours en état de marcher. Quoi? Winlock, dis-moi qu'on n'a pas à entendre ces conneries. Écoute, MacReady, si on t'a pas déjà transformé en passoire, c'est uniquement parce qu'on ne veut pas se retrouver en guerre contre Good Neighbor. Tu vois? On respecte le territoire des autres, nous. On connaît les règles du jeu.
Mais toi, tu les as jamais apprises. Heureux de vous avoir déçu. Tu peux jouer les durs tant que tu veux, mais si on apprend que tu continues à bosser sur le territoire des artilleurs, t'étonne pas s'il t'arrive des problèmes. C'est compris? C'est bon, t'as fini? Ouais, on n'a plus rien à se dire. Viens, Barnes. Écoutez, vieux, si vous racolez pour les enfants d'Atome ou si vous cherchez un ami, allez voir ailleurs. Par contre, s'il vous faut un mercenaire, on peut discuter. Vu ce que je viens d'entendre, on dirait que vous êtes au chômage. Vous voulez rire? Je vais pas laisser deux blaireaux des artilleurs m'empêcher de trouver du boulot. Vous faites comme si je savais de quoi vous parlez. Vaut peut-être mieux que vous le sachiez pas. Je voudrais pas que Winlock et Barnes fichent la trouille à mes clients. Et vous? Qu'est-ce qui me garantit que vous me flinguerez pas dès que j'aurai le dos tourné? Rien du tout. Mais ça fait partie des risques, non? C'est pas faux. Je vais vous dire. Mon tarif, c'est 250 capsules. D'avance. Et je négocie jamais. Qu'est-ce que vous en dites? Mais en vrai, je m'en fous, moi. Il faut que j'y réfléchisse. C'est pas comme si le compteur tournait. Prenez votre temps. J'ai rien d'autre à faire, de toute façon. Et il me donne pas de quête, ce FDP? Oh, j'étais sûr qu'il donnait une quête, dans mon souvenir. Faut peut-être l'engager en tant que mercenaire, en fait, je sais plus. Vous les avez bien accrochés pour débarquer ici. C'est moi, votre Magnolia adorée. On se retrouve après une courte pause. Toujours aussi belle, Magnolia. Merci, Charlie. Tu peux me servir un verre d'eau? C'est déjà fait. On va lui voler son verre d'eau. Je mets toujours ce que j'ai de meilleur de côté. Rien que pour toi. Tu es vraiment trop chou. Vous sentez ça? C'est le parfum de la liberté. Je vais finir par vous compter parmi mes clients réguliers. Par contre, rêvez pas. La bière est toujours aussi dégueu. Non mais je sais, Jerry, que c'est un flower, mais... Excusez-moi, mademoiselle. Qu'est-ce qui va pas, beau gosse? Me dites pas que vous aimez pas ma chanson. C'est la première fois que j'entends cette chanson. Qui l'a écrite? C'est moi. Je chante que des compositions personnelles. Vous êtes pas comme les autres, vous, on dirait. Dites rien. Laissez-moi deviner. C'est votre regard vif et intense. Je parie que jamais rien ne vous échappe à vous. Hein? Elle me drague un peu, cette gourde, quand même. Alors, qu'est-ce qu'un homme comme vous vient faire ici? Oh, je me suis réveillé ici ce matin, avec juste mon caleçon, une grosse migraine et un tas de regrets. On dirait le début d'une bonne chanson. Je sens qu'on va bien s'entendre, vous et moi. C'est à mon tour de répondre aux questions, non? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Non, j'ai zéro charisme. J'aimerais bien écouter une autre chanson. Une bonne chanteuse doit toujours être à l'écoute de son public. Écoutez-moi ça. Vous avez déjà été chez qui, l'Orbikild? Allez. Ils ont des armes de malade. Vous me pompez mon espace vital, monsieur. On va aller à l'antre de la mémoire. Elle est pas du tout en PLS. Elle se fout les bras. C'est qu'il fume ce bar quand même. Hein. Bon. On pourrait aussi aller dans le vieux parlement, voir si Hancock veut quelque chose. Pardon. Quelque chose. Mais on va d'abord aller. Je sais pas. Est-ce qu'on va l'entendre dans la mémoire d'abord ou pas? Ouais. Ouais, on va aller. Allez, on va dans l'entendre de la mémoire, voir qu'est-ce qu'on nous y dit, comment ça se passe et tout ça. Et puis avant de plonger au cœur de la quête, on fera la petite la fin de l'épisode quoi. Et on fera la quête dans le prochain. J'irai nommer l'arme quand on partira. Monsieur Valentine, quelle bonne surprise. Je pensais que vous m'aviez oublié. J'ai peut-être quitté l'antre, Irma, mais je vous serai éternellement fidèle. Amari est en bas, bourreau des cœurs. J'ai jamais compris le principe, moi. Vous venez voir Amari? Elle est en bas.
fait, je me suis planté, c'est les chiottes là. Je suis pas du tout au bon endroit. Merde. Ah, c'est là. Et oui, c'est Irma. Elle souffle un peu moins que la vraie, mais bon. Docteur Amari ? Oui, j'imagine que ce n'est pas une visite de courtoisie. Docteur, je vous lance un défi. Vaincre la mort en personne. Quoi ? J'aurais pas dit ça comme ça, mais c'est vrai. Il nous faut les souvenirs d'un Maccabée. Un certain Kellogg. Vous êtes complètement malades, tous les deux. Sans parler du fait que vous me demandez de profaner un cadavre, est-ce que vous savez que les simulateurs mémoriels nécessitent un cerveau intact et vivant ? On verra si j'oublie ou pas de renommer l'arme. Techniquement, le cadavre a déjà été profané. Ce cerveau contient des informations sur l'Institut Amari, le plus grand secret scientifique du Commonwealth. Vous en rêvez autant que nous. D'accord, je vais jeter un œil. Mais je ne vous garantis rien. Est-ce que vous l'avez apporté ? Vous pouvez me le demander en imitant le docteur Frankenstein ? Igor, rapporte-moi le cerveau. Non, ça c'est de la merde comme réplique. Je ne peux pas. Alors, vous l'avez ? Vous avez forcément besoin d'un cerveau entier ? Cette question ne me dit rien qui vaille. J'essaierai de me débrouiller avec ce que vous parviendrez à récupérer. Voilà ce que j'ai pu récupérer. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce n'est pas un cerveau, c'est... Attendez, c'est l'hippocampe. Et ce dispositif fixé dessus, une interface neuronale ? J'ai déjà vu ces circuits quelque part. Ça ne m'étonne pas. D'après ce que j'ai pu observer, toutes les technologies de l'Institut ont la même architecture. Nick est un synthétique d'ancienne génération. Il ne serait pas compatible ? C'est exactement ce que j'avais en tête. Avec un peu de chance, on devrait pouvoir le brancher directement. Mais même si ça fonctionne, Monsieur Valentine prendrait un risque considérable. On parle de brancher un élément étranger sur son cerveau. Vous tracassez pas pour moi, Marie. Je suis partant. C'est chaud quand même, hein. On devrait essayer de vous brancher sur un grille-pain. Je rêve d'une bonne tranche de pain grillé. Content de voir que vous prenez encore un malin plaisir à vous payer ma tête, même quand quelqu'un est sur le point de brancher un truc pas net dedans. C'est quand vous voulez, Monsieur Valentine. Asseyez-vous. Si je commence à jacasser comme un vieux mercenaire en bout de course, vous me débranchez, d'accord ? Voyons voir. Continuez à me parler, Monsieur Valentine. Le moindre changement au niveau de vos fonctions cognitives pourrait avoir des conséquences graves. Est-ce que vous vous sentez différent ? Bah frère, tu l'as pas touché, en fait. Des images brouillées. Je ne distingue rien de précis, Doc. C'est ce que je craignais. Les empreintes mnémoniques sont cryptées. L'Institut n'a pas pu s'empêcher de poser un ultime verrou de sécurité. Les souvenirs de l'implant sont protégés. Dites-moi que vous avez une solution, docteur. Laissez-moi réfléchir. Le cryptage est trop puissant pour un seul esprit. Mais on pourrait essayer avec deux. On va vous installer dans une station mémorielle aux côtés de Monsieur Valentine et mettre vos fonctions cognitives en parallèle. Il fera office d'hôte, pendant que votre conscience explorera tous les souvenirs qu'on pourra trouver. Nick et moi allons partager le même esprit. J'espère que je ne vais rien voir de compromettant. S'il suffisait d'avoir une grande gueule pour retrouver votre fils, il serait déjà avec vous depuis longtemps. Non. Vous n'avez rien à craindre de ce côté-là. Vous n'aurez accès qu'aux souvenirs contenus dans l'implant. Vous avez une idée de ce que je risque de voir ? Pas du tout. Mais comme on n'a qu'un fragment du lobe temporal médian, et non le cerveau complet, ça risque d'être assez... incohérent. D'accord. Allons-y. Asseyez-vous là, et... croisez les doigts. Bon, eh bien, rendez-vous de l'autre côté. Avant de plonger dans la station mémorielle, je vais déjà répondre au chat. Je vais laisser les dialogues se dérouler pour que tout le monde pige bien la situation. Alors Minisoc qui nous dit plot twist, elle bosse pour l'Institut. Alors ça on sait pas, mais en revanche ce qu'on sait et ce qu'on voit, c'est que sur sa veste, vous l'avez peut-être vu dans les cinématiques, sur sa blouse, elle a un logo Voltec.
Donc, qu'est-ce qui est fou avec une blouse Voltec? Voilà, ça c'est la première question. Ensuite, on va donc plonger avec Nick dans la mémoire de Kellogg pour y découvrir des indices. Voilà, donc on verra bien ce que ça donne et tout ça. Avant de s'asseoir, on va couper le stream ici. Enfin, couper l'épisode. Je suis éclaté. Donc on va couper cet épisode 23. C'est la fin. On se retrouvera demain ou en fin de journée. Je sais pas si ça sort. Enfin, je sais pas quel jour ça sort. Non, je crois que du coup, ça sortira samedi après-midi. Donc vous aurez déjà eu, du coup, samedi, l'épisode 23 à 14h. Et vous aurez le 24 à 16h. Donc à tout à l'heure, les bibouxels de YouTube, si vous regardez ça dans la foulée. Quoi qu'il en soit, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas encore une fois à passer sur le stream. Vous avez les liens dans la description du stream, du planning, de Facebook, de Twitter, de tout ce que vous voulez. Donc je vous fais des gros bisous YouTube et je vous dis à très bientôt. Ciao.